Mesdames et messieurs, bonsoir. Goedenavond, dames en heren. En van harte welkom op dit tweede artiestdiploma van deze week. Good evening and welcome to this artiestdiploma concert of the violinist Sofia Sousa. Sofia enrolled in the program in 2019 and followed her journey at the Musikchapelle alongside her work with the London Symphony Orchestra. I don't want to spoil her teacher, Miguel da Silva's speech, but I think it's fair to say that Sofia has enlightened the viola section with her virtuose and elegant playing, as well as her artistic intelligence.
Tonight, she offers us an atypical program full of discoveries. Since she can't express herself very well in English yet, she asked me to explain to you in a few words the works she chose. La première pièce du programme de ce soir illustre la complicité de Sophia avec ses amis et collègues de la chapelle. Elle interprétera avec le Quatuor Karski la scène andalouse de Joaquim Turina. Ensuite, elle a choisi de poursuivre son programme par une œuvre majeure du répertoire d'alto, la sonate d'Indemit, ici accompagnée par Kojiro Okada. Elle continuera en solo avec la suite Perrine de Dobrinka Topakova, compositrice bulgare. Il s'agit d'une suite dans un style folklorique que vous remarquerez dans les rythmes inégaux et qui évoque les montagnes hongroises. Sophia terminera le concert par une œuvre qui n'a jamais été programmée ici à la chapelle. Il s'agit, vous le verrez, d'une œuvre avec à la fois ordinateur et percussion, Naturale de Berio. J'en profite d'ailleurs pour remercier André Camacho pour sa collaboration. Cette pièce est un dialogue entre l'alto et une voix préenregistrée d'un homme sicilien. Imaginez-vous sur un marché d'un petit village de Sicile. Près de vous, un marchand fait la promotion de son étalage en dialecte. Cette voix, Berio l'a enregistrée lui-même. Et chaque altiste désireux de jouer cette pièce est tenu d'utiliser cette version. Dans ce dialogue, où les voix parfois se juxtaposent, l'alto s'exprime à nouveau dans un style folklorique, sicilien, cette fois. Lorsque j'ai questionné Sophia, tout de même, sur le choix de cette pièce, elle m'a répondu qu'elle avait été fascinée dès sa première écoute et touchée notamment par la berceuse. Donc je vous invite à tendre l'oreille et déceler le moment doux de cette pièce. Ce sera la berceuse. Je vous souhaite à tous et toutes une magnifique écoute. Enjoy the music. Cher public, bonsoir. En premier lieu, je voulais vous souhaiter une très belle année parce que c'est la première fois que je suis présent à la chapelle en 2023, qu'elle soit glorieuse et apaisante. Lorsqu'on présente un artiste en résidence, une artiste en résidence qui s'en va, qui va voler de ses propres ailes, j'ai toujours l'impression de vous décrire quelqu'un d'exceptionnel, de plus exceptionnel que la précédente ou le précédent. Et ce n'est pas le cas, ils sont tous d'un niveau incroyable et d'une richesse spécifique chacun dans leur identité différente, mais d'une richesse absolument incroyable. En ce qui concerne Sophia, pour moi, ça a été une rencontre avec une artiste, une altiste exceptionnelle, mais aussi une personne. Sophia est pétrie d'intégrité, de grande noblesse, qu'elle illustre dans son jeu, et parfois d'une grande réserve. Je me souviendrai, pour moi, de Sophia, parfois dans certains cours, où lorsque je lançais des idées, parfois, ça peut m'arriver, je n'ai pas beaucoup de filtres, assez saugrenus ou assez farfelus, elle restait silencieuse. Et quand elle partait de cours, je rentrais à l'hôtel et je me disais, mais quand même, ces silences sont bruissants d'idées. Eh bien, c'est ça. Sophia, c'est l'intégrité, la noblesse, et elle est pétrie d'idées. Elle me manque déjà beaucoup. Bonne soirée.
Thank you.
Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus nous écouter. Je voulais seulement dire quelques mots sur le programme que j'ai choisi de jouer pour vous ce soir. Bien que l'ensemble de ces morceaux puisse sembler étrange, un fil conducteur les lie. Toute cette musique, dont je suis fière de dire qu'elle fut originalement écrite par Ato, a pour base et parfois même cite la musique traditionnelle. La sonate que vous venez d'écouter, peut-être le morceau le plus conventionnel de ce programme, fait écho à des mélodies de folklore allemand. Des échos semblables deviendront de plus en plus évidents au fur et à mesure du programme. Vous entendrez bientôt des morceaux d'influence espagnole, hongroise et sicilienne. Pour moi, la musique traditionnelle ou folklorique porte non seulement les caractères du peuple qui la chante et la joue, mais aussi celui de toute l'humanité. Que ce soit une chanson du travail ou une berceuse, que les rythmes et harmonies employés nous semblent simples ou exotiques, l'émotion dont ils parlent nous est familière. Elle existe en l'être humain, indépendamment de son milieu culturel. C'est cette fragilité, simplicité, pureté du sentiment intime et collectif qui est pour moi si touchante. J'espère qu'elle vous touchera aussi. Merci. Bon concert.
Thank you.
par Javier Monsalvaje. Et cette perceuse, je l'offre à ma grand-mère qui nous a quittés il y a quelques mois et qui a toujours été un exemple de douceur et simplicité.